Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Merci, frère, et merci des Haïtiens. Merci à chaque monde dans quatre coins pays d'Haïti. Quatre diaspora. Qui a accordé si dans ça, qui a accordé si dans ça, pour autant dire, ce policier, Goneg Abelson, dit Sage le Grand, il y a un policier engagé, il y a un vrai patriote qui a parlé. Mais quand même, il y a un temps pour nous crier, il y a un temps pour nous faire mon nom. Peuple haïtien, pas de temps pour faire mon nom. Je dis à mon grand bagaille, mon grand constat que je fais, pays d'Haïti, pas compter pour mon Dieu ce que peut-être je vive. Pays d'Haïti, pas côté pour mon digne vivre. Pays d'Haïti, pas côté pour mon cap bataille avec respect, avec dignité vivre. Si je dis, on est à oui, Léon Charles, Léon Charles, Léon Charles, actuel DCPJ, en parlant de Jean Frédéric, ministre de justice, là, PM Joseph Zip, chef gang, commissaire du gouvernement, monsieur m'a parlé avec nous. M'a parlé avec nous. RCH 2000. M'a parlé avec nous aujourd'hui. Allô? Allô? Allez, pays attendre. Ok. PM Joseph Jout, PM de facto, PM gang, chef gang, Joseph Jout. M'a parlé à vous. M'a attaqué en premier Joseph Jout. Premier ministre Joseph Jout. C'est pas ce raison, peuple haïtien, moun ne diaspora. Ou même je viens de vivre à l'étranger, ou du moins dans le pays d'Haïti, ou se tu à l'aise. Si le gouvernement s'est encadré, ou du moins si je me n'ai pas encadré, pour que vous puissiez vivre. Mais pensez à ce qui a fait. Si je dis à Joseph, je prête du droit, c'est parce qu'on l'a qu'à parler avec le téléphone. L'idée bim, Nike 609, le policier 609 fait plus de dégâts que M. 400 Marozo, que Nike été Dieu, que Nike. Le grand Avin, moi-même, je connais Gabelson, je te réponds Joseph Jout, je te dis PM, ça vous dit au Babidil. Moi-même, je connais Gabelson, je te dis ça au téléphone. Je dis PM, policier, ça y est, il est là, 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 ni est ni il parce qu'il est toujours camouflé. Et policier, ça y est, il est là, il est là, il est là, il est là, et on s'ouvre au cagoulé. Et nos deux premiers ministres, policiers au cagoulé. Nos deux ministres de justice au cagoulé. Nos deux présidents au cagoulé. Ça veut dire où est Fontonio, tout côté. Il y en a de tout directeur, il y en a de tout ministre. Je dis, PM, si vous m'avez dit que ça me plaisir, comment je dis, on va comparer les policiers qui revendiquent les droits pour comparer à des bandits pour dire qu'ils font plus de gars que les bandits. Je pose le premier ministre une question, je dis encore. Je dis, comment sent-il pour ça que ça se passe dans la vie de Dieu là? Côté que six policiers, jusqu'à maintenant, je dis, c'est qui joue? Par eux, on va vous caser une coyo pour sortir en terme, pour recevoir en terme un homme. Et bien, c'est pas sans raison. Joseph Jout a marqué. Parce que même pas cette tête baissée des vols, et me prédit non. Policiers, les bandits, les terroristes, c'est des policiers qui ont revendiqué le noyau. Je suis seulement allé parler aux yeux sur le papa baron. Ma part de Kounia là avec ministre justice là. Le dernier rencontre que nous avons avec le ministre justice qui s'est, comme monsieur là, il est imparable, non? Bon, monsieur, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit actuel premier ministre, le ministre de justice. Mais vous avez rencontré le syndicat qui est avec elle. Vous avez présenté actuel ministre de justice, tout dans les syndicats, c'est qui va nous cinq qui étaient là. Vous avez pris dans les syndicats, vous avez fait un et un avec vous. Nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés aux policiers qui étaient supposés libérer depuis 1er avril 2020. Vous avez dit ministre de justice, comme on sent aujourd'hui comme ministre de justice. Ou quoi faire PNH là? Je dis à mes groupes policiers, depuis 1er avril 2008, les condamnés en prison, dans le pénitentiaire, depuis 1er avril 2020, ils sont obligés de peine. Jusqu'où ils arrivent en prison, comment sont-ils à ton travail? Moi, je connais quand personne déposé pour me réunir sur cette question ça. Et bien, la marque. Moi, je dis le coup de Léon Charles. Moi, c'est le premier policier. Léon nommé Léon Charles et des PNH AI. Quelqu'un vient contact avec elle. Léon Charles et l'aime. Moi, je dis déjà. L'homme, monsieur, l'homme, dit que c'est déchet. Moi, je dis, c'est Nobel Ramon. Il dit, non, c'est déchet Léon Charles. Moi, je dis, mon attention, déchet. Il dit, moi, je ne sais pas là-bas.
Moi dit depuis que je pas la MDG. Monsieur dit monsieur mais c'est pas la force la seule mon pas dit non DG me pas la force la seule. Sous le balai avec voici ta syndicat parce que c'est pas parole syndicat m'bat le policier prétend du droit pour lui dire ne confie loi avec vous. Et bien c'est premier policier qui te propose des MDG non m'bat si ta force la seule. Voici ta syndicat. Moi dit DG bon monsieur m'a pas la même syndicat sous couvert ça pour me dire que relève pour le conseil réunion. Mais les syndicats de FISA, ils ont dit qu'ils ont conseillé l'union. Et dans l'union, ça, des politiques qui ont été pieds. Parce que les gens sont diplomates. Si monsieur entre là, après 15 ans, ils ont choisi monsieur pour DGPNH, les commissions. Nous avons dit, monsieur, donc pour résoudre tout problème, il faut que nous ne pas faire, il ne faut pas faire dialoguer. Vous, policiers actuels et coordonnateurs actuels syndicats, qui ont mis le nom et le carré c'est OS, vous avez dit qu'on est, c'est responsabilité pas où. Ceci travaille avec Léon Charles. Parce que monsieur son diplomate, il n'y a pas un yel vinaigre qui missionne. Première rencontre faite, deuxième rencontre faite. Dans la deuxième rencontre, nous avons toujours pris à gagner Léon Charles. Le politique dit Léon Charles, pour tout ça, c'est photo 609 qui problème. Léon Charles te répond, l'idée dit monsieur, pour tout ça, l'idée dit Léon Charles, pour tout ça, problème, pas avec Genève. On est où qu'on est, policier 609, je même c'est des policiers, tout le temps parlé. Et qui dit, c'est une revendication politique qui a fait passer. Mais je dis, c'est le problème. Léon Charles te répond. Il te dit, c'est sectionnel qui est le problème. Genève, c'est bagaille politique. Il va fouer boucher la donne. Et là, on est bien grand. Depuis là, Léon Charles dit, je dis là, nous passons jamais de 13 novembre à nos jours, pour tout avis de recherche, je mettais des hommes syndicaux, pour jeune Géoun, des bandits, des NX 609. Actuel DCPJ, avant de l'école. Moi, je rappelle mes rencontres avec DG Ramil Ramou. Et DCPJ Chita, les oligarques 24 ans en dedans. Ils connaissent la personne, ou c'est une policière qui cesse. M'a dit un yé, vous me reprochez. Ça, c'est parole actuelle DCPJ qui te dit qu'on est la personne, m'a dit vous me reprochez. Je dis, m'a posé DCPJ question. Comment on s'en fout, je dis, pour mettre à l'université DM, pendant qu'on est de près ou de loin. Je ne peux pas faire une fois dans la vie, mais je suis à 609 fantômes. Et je dis que nous avons posé une question. Pour pouvoir poser une question, nous avons toujours connu pour nous. Pour me dire, les gens qui sont à terre, qui camouflent, qui cagoulent, c'est eux-mêmes qui sont derrière le président. C'est eux-mêmes qui sont derrière le premier ministre. C'est eux-mêmes qui sont derrière le ministre de la Justice. C'est eux-mêmes qui sont derrière le directeur. Parce qu'ils ont tout cagoulé. Nous ne pouvons pas dire à jour. Et puis, monsieur, il y a un problème avec SCNI 17. Notre grève, le dernier bagage qui fait, je vais me dire, c'est même ça, je pas parler. Mais l'homme qui a assisté, pour moi, et le ministère de la Justice, donc écrit Interpol, pour 13 policiers, et parmi 13 policiers, ça y est, il y a seulement 4 qui ne font pas partie, qui ne font pas partie du comité central SDNH 17 là. Mais les 4 là, il y a une qui te suggéré pour le comité central SDNH 17, qui c'est une fille, Christa et Chancy. Nous disons, Carlos Cetoyes. Qui c'est actuel et coordonnateur adjoint FNI 17. Et Christian, si c'est un policier qui était détaché avec madame le président, les jeunes révocations, les jeunes persécutions pour cette bataille FNI 17, il y a l'autre policier qui était dans le palais national, même Javel, très libre parce qu'il a posté bagaille FNI 17 sous statut. Policier très libre, je dis, demoiselle, ça ne va même pas, Brigitte François, c'est de 8 à 7 mois, depuis le bagage chèque, je ne vais même pas ici même. Nous avons un troisième monde qui c'est Pascal Alexandre, nous comptons des soins. Dernière fois, Pascal Alexandre, c'est mon fondateur FNI 17. Dernière fois, c'est mon fondateur FNI 17 et délégué. J'ai un délégué, actuel coordonnateur général FNI 17. Et je dis Angelo, Gros Angelo, je connais qui a travaillé et la com, Michel, les gens ont été cassés aux policiers, aux journalistes qui ont été fait, je lui-même, comme qui a été pris de Angelo. Donc, monsieur, c'est un des gens qui toujours met pile ATA dans la bataille SNI 17. Que je connais, il y a un zéro, par contre, c'est lui, mais par contre, tout le monde. Nous disons Raphaël Jean, alias Siblan, par contre, Mounsa, de près ou de loin, par contre, je mettais dans 13 mounes. Je dis Anthony Son, par contre, tout le monde, de près ou de loin, par contre, s'il est policier ou pas. Yannick Joseph, tout le monde connaît, lui, c'est policier, lui, c'est promotion, BDI, promotion, ancienne coordonnatrice générale chez Zika. On dit deuxième coordonnatrice générale. Parce que avant Yannick Joseph, c'était Polydor Grégory qui était premier coordonnateur général syndicat. Après, nous avons Adelson Gonnet, qui c'est moi-même. Je suis tourné sous capable de ma fin de l'autre policier qui est au sorti de Noyoa.
Nous avons Robinson assez. Bon, pas pour le monde, ça m'a dit si le policier ou pas. Nous avons Mombre Généo, c'est 21e promotion. Lycée, une délégué syndicat et actuel et trésorier adjoint syndicat. Lycée va être 21e promotion. Nous avons le dernier policier qui c'est Huguette Lama, qui était conseiller, je dis à qui dans la section juridique dans la SNH17. Ça veut dire que notre grand monde, ça y est, moi j'ai. Et trois personnes seulement que je ne peux pas parler de yo, qui c'est, et je dis Antoine avec Raphaël. Mais quand j'ai un nom qui c'est gentil Angelo, je ne sais pas si c'est ça me connaît ou pas. Après, pour toutes les 10 personnes, c'est moi qui fait partie de ce syndicat. Population haïtienne, vous ne diaspora, je dis comme un sens nous. Les noms habillés Léon Charles, les noms habillés Joseph Jout, les noms habillés actuel ministre de Justice, là. Ou encore Mouis, celui qui est commissaire. Qui choisit, signer, bagaille ça que m'a là. Monsieur Jodian, nous faisons mal, nous faisons un pile policier mal. Et policiers qui détachent avec Premier ministre, devant Joseph Jout, qui détachent avec Léon Charles, qui détachent avec ministre de Justice, qui détachent avec substitut commissaire ça. Comme on sent Jodian, moi-même connais Gabelson, nous tous connaissons. Et une petite nous même dit, si c'est ceci là, vous petit moi, qui dit papa, non pas à l'en bas. Madame Wink a dit non pas aller. Et t'as outé le gamin TPPJ. Avocat, il a dit non pas aller. Ça, c'est très grand cité. Pour les gens permettre, pour y avoir osé, entre nous, nos malpropriétés que nous ne connaissons. Je dis, comme les gens sociaux, pour y avoir cité nous, les questions assassinat. Assassinat sur qui est. Tentative assassinat. Tentative assassinat sur qui moun. Comment nous faisons, monsieur? Nous avons traité nous de terroristes. Sur qui moun. Avec des terroristes, qui est. Avec des vandalistes, sur qui vous êtes seul, sur qui groupe de monde, incendie criminel, à qui groupe de monde, destruction de biens publics, qui côté, en toute pleine mettre ma terre, nous mettons ma terre dans la bataille syndicat, nous mettons à terre, nos mouvements, parce qu'il t'a fait, manifestation, parce qu'il y avait tout groupe de monde, parti politique ou militant, parce que je dis que c'est policier à statut civil, et nous avons droit, depuis que nous mettons démission, depuis que nous mettons révocation arbitrairement pour nous tout mouvement. Les policiers, je dis à vous-même, sous ma propre conscience. Par exemple, sous moi-même, pour les Gabelson, mais ça, c'est pour tout policier. Et pas vous, policiers, même les policiers, ça, il y a 15 jours, pour 24, il y a 20 policiers, pour dire que les policiers sont dans le 59, quand les policiers sont attaqués, pour dire que les Gabelson sont dans la terre. Donc, je dis à vous, Léon Charles, fait ça, et ma ville. C'est parce que, après les Gophines, et ces policiers ont massacré la ville de Dieu, la première fois, je fais une intervention dans le Zénith FM. Je fais une intervention sur la radio. Le samedi, je écris Léon Charles. Je dis Léon Charles, je dis DG, il faut que nous fassions sans policier en bas de la Dieu. Je dis Léon Charles, il y a un plan. Il n'y a pas à quelque chose. Je dis à 951, à même 951, ça lui dit merci, frère. Après ça, je demande pour des syndicats mettre ensemble. Je dis DG, je parle avec vous. Je dis DG, accentuez sous message que vous voyez là. Parce que quand nous venger son frère nous. Est-ce que vous mettez ça, Léon Charles fou et non? Est-ce que c'est parce que pendant 11 ans, 13 ans, 12 ans dans la police là, il n'y a pas de rien pour les prochaine qui fait des CPJ de nom dans la salle de là? Est-ce que c'est parce que je me dis, Joseph Jout, policier sectionnaire, c'est des policiers révolutionnaires, c'est des policiers qui ont bataille pour meilleures conditions de vie, meilleures conditions de travail? Il n'y a pas qu'à oser pour dire au plus dangereux que les 4 femmes qui fait le fait, mais tombe non. Monsieur nous méchants, policiers qui n'ont pas de ça, je dis à poser cette question. Si nous-mêmes, les SNI 17, premier syndicat, qui fait sacrifier nous, qui fait aujourd'hui, ou qui a touché 15 000 gouttes dans le cadre de vie. Pendant moi-même, je connais la personne, je ne sais pas comment je vais 15 000 gouttes dans le cadre de vie. Yannick Joseph, par contre, comment je vais 15 000 gouttes. Carlos Sidores, par contre, comment je vais 15 000 gouttes. Et Lama Higgins, et Carlos Sidores, j'ai un dernier dit. Par contre, comme vous prenez 15 000 gouttes. Gardez des fois. Par contre, comme vous prenez 15 000 gouttes dans le BNC. Ou encore le quel que soit, battre sous 4 millions. On nous bataille pour lui. Comme on sent toujours dire. Les WAPREL. Et vous oubliez le groupe de monde qui sacrifie pour vous. On le jette à nous près. Et je ne sais pas si je me connais. C'est le type de matière. Et nous sommes. Nous sommes. Ma 50-50. Qui est avocat qui ne parle de matière. Qui est fou, nous sommes qui ne parle de matière. Que matière. Est Léon Charles en personne. Lui vient arrêter. Et c'est seulement. C'est parce que, maintenant, c'est parce que,
Matisse n'est pas arrivé. Si Matisse n'est pas arrivé, Léon Charles était supposé. On ne l'a pas assuré. Il veut que l'on mourit. Qu'est-ce que le président de la France a fait mourir? Actuel, ministre, premier ministre, de facto Joseph, que nous avons le seulement, il veut que l'on mourit. Commissaire, substitut commissaire, ça. Qui seul nous mourit, nous devons mourir. Parce que nous sacrifions nos mouns. Policiers comme on se sentit, comme on se sentit policiers. Pour la sécurité, next, ça y est. Je dis à nous tous complices. Et tout le monde qui a dit qu'on est complice, on ne sont pas complices. Yannick Joseph pas complice. Damali Gis pas complice. Jérémy Lézi pas complice. Gabi Zesla pas complice. Carlos Cetorès pas complice. Moubri Jérémy pas complice. Tout policier au salon pas complice. Parce que je dis, si nous t'es en dehors, pays a qu'à libérer. Parce qu'ils ont sacrifié. Si les gens cabinent la police comme ça, Gaspiala et Léon Charles fait. Léon Charles retire tout policier dans le traitement comme dans la police. Qui met ses militaires, ça va joigner. Et ils sont soufflés. Tout policier qui a mis question, je dis. Parce que les syndicats ont bataille. Papi Léon, ils ont caché la mort. Ils ont fait des CVJ. Et bien, j'y ai. Côté, il y a un tas de monde le coupé, pour faire les prêter. Les hommes, ils ont fait un papier à l'action de CVJ. Pour réintégrer de la police. Au lieu de réintégrer, ils voulaient la révocation. Mais des hommes, ils ont pour signer, pour aider. Ça veut dire, pour la police, c'est carrément 15 jours. C'est un tas de caché la mort pour être passé au Ibon. Je dis, nous avons caché dans le labo et les mecs qui s'allient. Mais nous avons salué monté, mais ça le fait. Comment nous sentons-nous? Est-ce que nous allons prendre des fois? Est-ce que nous allons revendiquer? Et nous avons jamais un commissaire divisionnaire. Nous avons IG, parce que IG ou pas. Nous avons commissaire principal, le secteur divisionnaire. Ça y est, on poste. Pour nous, nous avons dit non, ça y est, nous allons faire. Nous allons faire. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas rien pour nous revendiquer tête. C'est là qu'il y a plein de monde dans le syndicat raison. Là, on te dit, nous supposons limiter le syndicat dans les secteurs divisionnaires. Nous allons nous parler pour le commissaire. Je dis à la police, c'est 15 ça. Comment nous sentons-nous? Gardez déception, Léon Chalabanou. Gardez déception, et Joseph Jout, chef de la Banou. Et nous détachons dans le Joseph Jout. Nous détachons à Léon Chal. Et c'est ça, lundi, je me dis ça, ma 50-50. Lundi, ma peine, je vais mettre ma terre. Bien, moi, je suis nous-mêmes. Constitution nous-mêmes. Léon Chal, si vous avez le monde, vous n'arrêtez pas. Et parce que lui, petit, nous, maintenant, qui sont pas au manger. Depuis un jour, je ne suis pas contre ni chef, ni quatre débits. Je ne suis pas personne. Je suis souffri. Je ne suis pas venu à la musique. Je suis vraiment souffri. Je suis fréquent. Je suis méchant. Je suis fou. Ou sont diable. Ou sont supposés mourir à cela. Si je suis supposé mourir, il faut qu'on crise des bons Joseph Fout pour faire liberté pour mourir. Il faut qu'on crise tension. T'apprends et Léon Charles pour mourir à cela. Deuxième plaisir. Ou même tout méchant. Ou t'es là avec Dominique Rameau. Ou t'es dit, qu'on est avec son mari, je n'ai rien contre moi. Je dis à comment on sentit où. Comment on sentit où de ce péché. Pour mettre à vie de ces dégâts. Nous ne sommes pas volés. Nous ne sommes pas gangs. Nous ne sommes pas fait mal. Nous ne sommes pas mettre à terre pour m'écraser, pour m'abouler. Qui destruction fait? Qui met l'état qui me boule? Qui met l'état qui me crase? Monsieur, nous méchants, il faut Haïti libéré. Et le peuple haïtien peut s'abouler son. Si je dis là, moi-même, qu'on est avec son, et vous ne connaissez pas. Ils ont utilisé un peu de monde sur les réseaux sociaux, à désinfecter le monde, à lancer un peu de monde. Et de même, avec son collègue, je dis, si nous avons dit pour nous faire ça, pour nous faire l'homme, parce que vous êtes pour nous, je suis pour l'homme. Je travaille à la bataille, je fais jouer à un pas de 7 dollars. On a mis 10 000 nous-mêmes, 30 000 pour nous-mêmes, je vais approcher l'argent de moi, je vais l'État payer, je vais payer tout, soit corrompu. On m'a soufflé, on passe 7 dollars nous-mêmes. On pour me faire le pour nous, pour je dis un éclairé, c'est salon. Même si on me dit, c'est ministre de justice, sans arrêt, chez vous, le bandel, c'est même pas grave, c'est une gaffette. Parce que si me donne une Joseph Jout, si me donne Léon Charles, si me donne quelqu'un de ceci, si me donne un petit commissaire, ça, faut me dire qu'il me donne un ami pour me souffler, pour manger. Par élection, pas nous, et on va respecter le monde. Les gars, salon le monde. Mais ça m'a dit nous ça. Moi-même, connais Adelson, je souffre. Je souffre. Depuis un jeu, je ne suis pas consacré à l'échec, ni cap de crédit. Je ne suis pas en soi, en policier, je ne suis pas en soi policier. Depuis un septembre, je crois, je ne suis pas en soi policier. Je ne suis pas en soi. Et si policier, vous êtes policier, aidez-moi à vivre un coup, aidez-moi à vivre un petit point. Mais je dis à nous, fréquents, nous ne respectons pas les gens. Et bien, moi, je vis. Et bien, cap haïtien, si je ne suis pas en soi, si je dis, premier ministre, dévastez Joseph. Léon Charles, bien c'est bien sûr, sous le petit commissaire, actuel sous le petit commissaire, ministre de justice, il y a un sale nom, pas un nom dans le pays d'Haïti.
pasteur fait trop effort à l'homme. Je souffre trop à l'homme. Je souffre pour l'éducation petite moi. Je souffre à l'homme pour mieux la petite moi. Révocation, je ne peux pas la faire fouiller comme la banque, la gang, la bandit. Je veux nous faire ça. Nous pensons que nous camper qu'à vous faire. Nous allons choisir pour les armes, pour nous camper en bandit, pour nous venir offrir millions. Non. Bon, on te voit l'école. Et depuis la rue de l'époque, en septembre, il y a la révocation. Le 10 septembre, le 8 septembre, mal Islay, mal un journaliste, mal l'école. Parce que la police est seulement sous deux vignes. Donc, mal un jeune, c'est pour ça que je vais dire, allez à l'école pour faire des vignes. Monsieur, si je dis, on devrait bien dire, on devrait bien dire, depuis moi, je vais nous couper chaque mois, nous couper 4 crédits, nous devons faire tous les capitaines de police, c'est une jeune dans le groupe gang. Mais non, pas qu'à gang. Parce que j'ai 8 petits pour me lever. Moi, j'ai frère, moi, j'ai soeur, qui a souffert. Et monsieur, pourquoi nous sommes nous fréquents. C'est le bagage, monsieur, je ne vais pas dire ça. Même c'est ça le policier. Depuis l'âme, je vais prendre l'âme dans même. Moi, je, 2020, il m'a joué dans l'âme dans même. Moi, je connais une fois dans ville. Quel moment que je connais l'âme dans l'âme, je vais me faire pour lui, pour le bagage dans l'âme. C'est très bien souvent. Moi, je connais une fois dans ville. Cherchez pour l'âme, pour mal chercher l'âme, il est jamais sous moi. Parce que c'est une équipe droite. Je connais la loi. Je ne vais pas choisir pour l'âme. Je suis policier de 11 à 12 ans carrière. Si nous devons des hommes, nous avons un peu d'argent, nous avons un peu d'argent, nous avons un peu d'argent. Nous ne choisissons pas mon exemple. Tout ce que c'est pas l'argent, nous avons un peu d'argent, nous avons le DCPJ, le compte, dans le téléphone. Nous avons tout menacé. Nous avons le DCPJ, du menacé, il faut que nous avons un peu pour fonctionner tout autant que l'intégration que vous faites. Et nous avons un peu avec nos samedis mal côtés. Parce que nous faisons tout le bagage, nous avons droit. Nous avons un peu de mieux à qui ça nous fait assassinat. À qui ça nous fait tentative d'assassinat. Monsieur nous méchants, nous connaissons la raison. Nous en face une crise, ce n'est pas la première crise. Mais c'est une crise côté nous montrer nous plus féroce une par rapport à l'autre. Chaque monde a plongé doit être son l'autre, mais nous tous gagnons part de responsabilité. Je dis dans ça nous y est là. Son chita parler qui doit faire une sortie dans Mira. Son Mira sous développement. Nous n'avons fait kidnapping qui a crasé la famille haïtienne, mais qui a détruit l'image du pays. Nous presque pas quitter rien pour l'autre génération qui a venu. S'il vous plaît, baissez volume violence là. Pour nous baisser volume violence là, il faut que nous baissions volume arrogance là. Nous parler avec trop raïssement. Nous yon gen yon l'autre monde nous voulait détruire suspend alors appel moyen c'est même bagaille là son appel à la raison son appel à la concertation pour nous sortir dans ambiance de confrontation néfaste qui mettait pays d'Haïti jodia plus loin toujours que derrière camionnette là jodia ça qu'a passé dans pays il est facile pour tout le monde dit ça responsable moi pas responsable même quoi que faut chaque monde font petit effort pour nous reconnaître nous gain petit morceau responsabilité et gon petit effort pour nous voir si vraiment pita ta différent dans le bon sens nous pas capable gon pays pour empêcher ti moun aller l'école là-dedans nous pas capable gon pays n'empêcher moun circuler là-dedans parce que n'a fait violence parce que yo ne pas respecter l'autre parce que n'a crasé la police. Nous pas capable gon pays pour la justice dans grève là dedans depuis plus pas un mois. Nous pas capable gon pays tout côté. Nous fin craser l'armée qu'on y a nous dé craser la police là. Qui ça n'a bien comme recours? Que c'est moun créer les têtes yo bandit, que c'est l'autre créer les têtes yo fantôme. Type d'agissement ça yo pas bon pour moun k'ap fait yo pas bon pour pays ya. Nous là pour faire un effort pour nous connaître nous c'est petit Haïti. Nous une responsabilité par rapport à tête, nous par rapport à famille nous. Mais une responsabilité par rapport à l'autre monde qui a pour venir remplacer nous sous terre. Un héritage pour nous quitter pour eux. Il faut nous quitter un héritage d'honneur. Il faut nous quitter un héritage de valeur. Il faut nous quitter un héritage de prospérité. Et faire nous montrer nous un sens de responsabilité qui peut faire nous créer une ambiance de générosité pour nous courir l'autre, pour nous aider l'autre, pour nous supporter l'autre, pour Haïti avancer. On est le dialogue. Pour nous sortir dans boubier dans situation difficile nous est là on pas croire que nous-mêmes haïtiens nous capable venir réinventer la roue parce que tout pays qui était passé par là c'est issu ça que ont arrivé joindre avant même que yo t'arrivé mettez tout ça yo gain en branle
pour permettre que le pays ait respiré. C'est le dialogue. Donc je ne dis pas qu'il n'y a aucun haïtien qui est capable de dire pas chita avec un autre haïtien. Parce que ou pas prendre le chita haïtien pour vous, ni pour lui, mais on chita pour le pays. Ou ap chita pour 25 ans kap vini, ou ap chita pour 50 ans, ou ap chita pour ti moun cité soleil kap soufri, ou ap chita pour ti moun la fossette, ou ap chita pour ti moun ki nan nord-ouest yo, ki ap mande de quoi demain sera-t-il fait. Donc il est clair, je dis, le flambeau démocratique, lui-même, qui comprend nécessité pour que pays a, li rale on souffre, pas arrêter jan liye a, parce que écoutez, je dis, une instabilité kap frappe nous, sérieusement, je dis, gen des touristes, qui t'a voulu venir, mais qui peur, même gain de haïtiens natifs natal, qui t'a voulu entrer dans le pays, ou est que, yo parlé, yo évoqué, question de l'insécurité. Donc, ça veut dire que je dis, il y a lieu de se mettre ensemble, il y a lieu normalement de dialoguer, pour que nous mettions en premier les intérêts supérieurs de la nation. Flambeau démocratique, là, lui-même, les papes mandés en dialogue pour un poste de ministre, par exemple, pour un poste ministériel, un poste de direction générale. Non, flambeau démocratique, là, l'a demandé dialogue pour que nous finissions avec turbulence politique, là. Flambeau a demandé dialogue pour que institution nous finalement dit ça nous voulait faire avec eux. Même Jean Population, je dis, l'a demandé en nouvelle constitution, mais élite, yo tout gon responsabilité pour venir chita dans la question nouvelle constitution pour que ensemble d'articles justement qui a contenu je dis en dedans et dans constitution ça pour que article ça yo répondre à desiderata de l'heure et même dans 25 ans cap vini yo. Maintenant qui est-ce qui gagne mission ça, mais tout le monde connaît pays algon premier mandataire, c'est le président de la République. Donc li gen aptitude, li gen capacité pour que li lancer justement débat ça. Et moi que le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, pas jamais raté en occasion pour l'ouvrir brali by l'opposition démocratique et on frange dans le secteur économique là qui est un petit peu réfractaire au changement, pour que yo vienne chita parler, yo vienne chita attendre pour yo river mettre vraiment Haïti en premier. Donc il y a pas que le président de la République. Si m'a prend par exemple le secteur protestant ou du moins la fédération protestante, yo même toujours dit si yo pas de fait de yo un acteur clé dans crise haïtienne là, yo ta capable faire même bagarre, yo ta capable mander pour politique la chita ensemble, parce que politique là pas capable continuer prendre pays en otage, ou pas seulement le secteur politique qui fonctionne dans pays, donc pas qu'être l'autre secteur. Donc ouais, et catholique yo ta capable faire même bagarre là, yo ta capable chita yo dit bon écoutez et conseil évêque là dit bon écoutez politique la vie chita entre nous, et puis moi-même moi c'est habiter pour nous. Ouais, donc je dis à moi parce que même Jean président Fell m'a invité l'autre et secteur yo tant que protestant catholique etc, et c'est mettre au-dessus de la mêlée pour capable et inviter politique la vinchita parler, vinchita attendez, parce que m'estimer que pays en une situation extrêmement difficile, seul antichita parler capable retirer nous dans ça nous je viens jeudi ensemble. Faut que l'église nous aujourd'hui qui sont grand morceau. Qual facile nous dire dialoguer. Parce que quand il vient dans le chita. Il dans comment on a galvaudé. Non, écoutez, c'est pas galvaudé n'a galvaudé. Mais tout pays qui t'est passé dans même problème avec nous, qui t'est confronté même difficulté que nous même aujourd'hui on a confronté, mais son seul bagage qui a été fait, il est arrivé en côté et que yo tout t'est dit c'est ma faute et c'est ma très grande faute. Yo vin chita yo fè mea culpa yo, et puis yo di mais ça yo vle pour capable sorti payant. Donc constitution 87 là c'est une reproche que nous fait, parce que au moins il était exclu un groupe de monde dans payant. Et bien jodi an dans nouvelle constitution ça nous dit que faut tout monde la donne. Et là pour nous aller vers cette nouvelle constitution, même j'aimerais dit faut nous vin chita ensemble, nous parler, nous mettons d'accord sur tout article cap en dans constitution, et puis nous signons que nous respectons pas ça, son pacte pour 25 ans, son pacte pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans. Mais on nous regarde là au niveau de la République dominicaine, et c'était consacré, oui. Donc tu as toujours des turbulences politiques, toujours des problèmes, et puis un beau matin après l'organisation de l'élection, eh bien, ils disent, OK, pas de problème, je vais faire 2 ans, ou même je vais faire l'autre 2 ans. Et puis, ils mettent d'accord, mais comment ils dirigent le pays? Et je dis, mais la République dominicaine, c'est par milliers, oui, des Haïtiens qui quittent la République dominicaine par jour pour... Alors, qui ont quitté Haïti pour aller à la République dominicaine, oui. Ça fait ça, c'est parce qu'au moins, ils ont une certaine stabilité politique.
Mais pour être venu avec cette stabilité politique, il a fallu, je dirais, le dialogue. T'es gon chita parler, t'es gon chita attendre. Et ça fait, je dis, hein, si vous attendez un compatriote qui fait politique, nous, il n'y a pas chita avec X, il n'y a pas chita avec Y, donc, Mounsa, c'est un ami carolier. Son ami de la destruction. Son ennemi de la paix. Son ennemi de l'avancement du peuple haïtien. C'est clair. Parce que, écoutez, pas qu'on haïtien, là, pas qu'à chita parler avec elle. Pas qu'on haïtien, là, qu'à dire, pas chita parler avec elle, pour qui ça? Nous gagnons un seul intérêt en commun. Haïti lié. Ça qui arrive, moi, l'on j'en. Où est l'on j'en? Y, où est l'on j'en? Mais, c'est Haïti, nous gagnons en commun. Qui est-ce qui vous voit un dialogue, vous signal pour dialogue, là, qu'on y a? Chaque monde, vous voyez, il y a une nécessité pour dialogue, là, mais il faut qu'on signale qui vous. Qui est-ce qui va un signal ça? Bon, signal dialogue. C'est un dialogue qui fait des grandes choses. Après, vous faites faire journée, combien, presque une semaine, des grandes choses. Qui en a fini? Chaque nègre qui a participé dans le dialogue, la costume sous vous. Il y a un bon divin, ça que ce ministre, ça que ce directeur général, avec sa pays, il y a toujours dans tous les. Sony, forme de ça tout. Je ne vais pas avoir un dialogue. Pour poste, non, je ne vais pas parler ça. Non, ah bon, faut préciser, non, non, tout à l'heure. Même là, je parlais de dialogue, je parlais de dialoguer, bien entendu, sur les intérêts supérieurs de la nation. Parler pour l'autre Haïti. Parler pour l'autre constitution. Parler pour la paix. Parler pour le développement. Parler pour nous dire comment nous pourrons ouvrir le pays hein, normalement aux investisseurs internationaux. Pour capable de concurrence sous matière et concurrence voilà et concurrence là pour qu'elle soit bon c'est pour population il y a bon donc même pas c'est que c'est genre de dialogue ça aucun n'a parlé mais parler pour ministre pour ceci pour cela pour un poste non pas opter pour lui et me pense que ça fait payer en pile tort ça fait payer en pile mal cependant si après un dialogue nous mettons d'accord sur une feuille de route eh bien nous capables essayer ensemble ouais qui est-ce qui pourra exécuter faire de route ça ça me pas un problème avec mais si c'est pour parler pour me besoin tel ministre besoin telle direction générale non le flambeau démocratique n'est pas pour ça mais si on fait de route pour dire non dis moi qui était mais ça nous pral mais ça nous pral proposer nation le a nous cap dire mais comme c'est nous qui met tête nous ensemble pour dire mais ça nous pral proposer nation donc qui est-ce nous ouais qui capable implémenter ensemble de projet ça donc c'est pour me dire que le dialogue dont nous parlons au niveau du flambeau démocratique, Sony, mon frère, c'est un dialogue pour Haïti. Qui est-ce qui est capable de lancer ce dialogue-là? Mais écoutez, pays a un premier mandataire, c'est le président de la République. Qui est d'accord avec elle, qui n'est pas d'accord avec elle. Mais il est le président de la République. Il gagne une potentialité, il gagne une capacité pour que lui lance un débat, un dialogue. Ou qu'on pas qu'être l'autre secteur encore aujourd'hui. Si on pas essayé faire de yo des acteurs, on est capable de dire dans la crise là, mais yo même tout yo t'es capable. L'on prend par exemple Fédération Protestante, t'es capable de lancer un dialogue. Parce que écoutez, l'église là, elle est là pour ça tout. Les grands problèmes au niveau de société, elle est capable de acteurs yo, sans que lui-même n'ait pas fait de tête, lui en acteur, pour mettre tête yo ensemble, et lui-même, lui là comme arbitre. Pas seulement l'église protestante, l'église catholique est capable de faire le tout. Ouais. Donc, secteur vaudou, vous êtes capable de dire, monsieur, dame, politique, économique, mettez nous ensemble, moi-même, je fais habit pour nous. Donc, ça veut dire, je dis, hein, c'est vrai, moi-même, toujours dans des présidents de la République, qui a ouvert deux bras, qui a dit opposition Vinchita, qui a dit monde dans le secteur privé Vinchita, toujours dans ça, mais moi, je dis que ce n'est pas seul président qui est capable de faire. Le président du Sénat aussi peut le faire. Ouais, donc je dis, hein, c'est pour tout haïtien font dépassement de soi, dépendamment de ce qu'on fait, de responsabilité qu'on gagne, faut dépasser tête ou dépasser orgueil ou dépasser entendement pour qu'on ait que gagner de tout le monde qui a souffert. Bon pays là, je dis, hein, qui envoie de disparition, qui ça nous a fait pour lui, justement pour nous remédier à la situation. Nous venons rappeler tout le monde directement qui concerné. Nous sommes capables de dire, public là, en général, conformément aux prescrits des articles 3.1, 5, 7, 8 et 9 du décret
du 25 novembre 2020 qui fixait règles relatives à l'obligation d'affichage des prix au paiement en goudes et niveau marge bénéficiaire que vous devez faire sous prix produit. Sous paiement, tout bien produit et service qui bail dans tout pays doit faire en goud qui c'est monnaie nationale. Par conséquent, pas de personne monde qui est capable de refuser de recevoir goud de la com paiement dans quelle que soit transaction qu'a fait, en particulier les gens à payer loyer caï. Là nous parler de loyer caï bagay ça gen pile moun dans population an, nous capable dire moun ki pi vulnérable, moun ki pi pauvre dans société a, lè yo la fermé yon kay, yo pote kòb la bay propriétaire, lè li rive propriétaire dil se dola américain pou pote balé. Eh bien, nous dit jodi a, les moun nan paye l'école ou bien frais scolaires dans l'école classique ou bien technique ou bien l'école professionnelle dans toute université ak établissement d'enseignement supérieur sans distinction aucune dans pays a, eh bien tout moun ki pral payer doit payer en goud qui c'est l'argent pays. Malheureusement, ministère commerce et industrie constaté gagner des contrevenants. Ça veut dire moun kap violer la loi, que yo c'est commerçant, que yo c'est moun kap vendre service ou toute qualité l'autre moun, yo violé systématiquement principe ça qui dit ou capable refuser goud nan men moun nan transaction, ça qui causé en pile préjudice pour l'État, pour consommateur yo, pour toute société a en général. Au détroit Fambouin, 104 l'année, Huguette Meuse, 92 l'année, Franck Etienne, 85 l'année, Scott Benjamin, Michael Senatus, c'est nos 5 personnalités Fondation au détroit Fambouin, honorées jeudi 27 mars 2021. Marie-Claude Bayard, directrice exécutive Fondation 1, déclaré moun ki honoré au travail en pile dans la communauté Ravine Sèche. Li souligné plusieurs réalisations personnalités sa yu fait dans la communauté. Madame Fonbois, c'est un monde qui est tellement passionné d'histoire et passionné de héritage indien, nous tout. Nous venons chercher qui ça nous a fait pour nous aider une petite communauté qui a gagné quelques-unes richesses. Et c'est comme ça que nous venons rencontrer avec Madame Senatus et nous venons découvrir Ravine Sèche, qui est une petite communauté dans Bois Neuf, dans Atibonite. Et nous venons voir que cette communauté ça non seulement lié héritage indien parce que côté lié à nous fait fouille archéologique et y ouais que non seulement bagaille ça existait mais même de la pluie des morceaux poterie qui montaient en surface qui prouvaient que indien yo c'est là yo t'était et c'est comme ça nous monter cet atelier poterie ça et yo commencé avec Sonny Louis comme professeur dévoué yo commencé faire cette production. Et au fur et à mesure, nous baillons tiens encadrement et nous venons faire de mieux en mieux. N'acheter four, la communauté en mettait un petit poulailler à disposition nous et c'est là que nous commençons à faire atelier poterie. Selon le directrice exécutif Fondation Audet Trois Fonds Boyan,
activité ça a permis génération cap vini yo gen possibilité pour développer pays a ak richesse pays a gagner là-dedans. Li fait konnen fondation a continuer travail pour encourager développement pays a. Parole madame Fonboyan, c'est toujours parole ça. Haïti, centre historique et culturel de la Caraïbe. C'est une Haïti son pays qui chargé ak richesse culturelle et historique et naturelle. Nous chargé seulement nous pas exploiter yo. Donc il est temps pour nous suspendre problème politique pour nous ka développer pays nous à partir de richesse nous. Haïti, centre historique et culturel de la Caraïbe. Ancien premier ministre Evans Paul qui t'a participé dans cérémonie en fait qu'on est personnalité qui honore et contribue en pile dans le développement pays dans plusieurs dimensions. Ancien premier ministre l'a dit, présence li c'était pour encourager l'initiative là. Nous voulons parler bien sûr de madame Odette Wafonboin qui a 104 ans et qui a continué sa vie communautaire. Moi voulais parler tout de madame Huguette Meuse qui a 92 ans qui continue à servir communautaire et de gros potorique garçon qui est le Franck Etienne qui a 85 ans qui lui même tout a continué servir cause pays d'Haïti. Et c'est une activité autour de Ravine Sèche qui sont petite communauté qui tout près Saint-Marc dans Bois Neuf. Et Gobane Fondation, Fondation Les Librezo, Fondation Odette Wafonboin et la Trier qui pote coller pour aider communauté ça avancer. Nous croyons son bel exemple du vivre ensemble, nous mériter encourage. Fondation Odette Wafonboin fondée dans l'année 2007. Éducation, développement local, tourisme la caille, combitis, c'est sous ensemble aspect ça yo fondation a travaillé depuis création li. Selon directrice exécutif institution an, qui encourage tout haïtien pour mettre tête ensemble dans l'intérêt pays a. C'est dans l'idée pour continuer plaidoyer qu'a fait pour permettre organes contrôle yo fait travail sans difficulté, unité lutte contre corruption ULCC réaliser journée échange ça sous avant projet constitution an. Sous table discussion yo te gen représentant plusieurs institutions dans l'état ak responsable plusieurs organisations. Après discussion yo, directeur général ULCCA fait plusieurs recommandations. Parmi d'autres réserves que vous aurez l'occasion de voir, nous faisons un plaidoyer crucial pour l'indépendance de certains organes de contrôle étatique, notamment l'unité de lutte contre la corruption, la Commission nationale des marchés publics, l'Inspection générale des finances, l'unité centrale des renseignements financiers et l'Office de management des ressources humaines. Cette indépendance sollicitée serait en parfaite harmonie avec les dispositions de l'article 3.4 de la Convention interaméricaine contre la corruption et celle de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption ainsi que les différents rapports d'examen d'Haïti au sein de l'OEA et de l'ONUDC qui ont toujours plaidé pour le renforcement de l'indépendance des différentes institutions impliquées dans la lutte contre la corruption. Constitution 1987 acte 1987 amendée toujours posé problème dans la question réalisation élection dans le pays selon Mathias Pierre. Ministre plus loin expliquer des avantages qui gagnent dans la quantité de monde qui a élu dans l'élection. En 2015-2016, il y a eu 166 partis et regroupements politiques agréés par le CEP. 166. Il y a eu 120 partis politiques et regroupements qui ont désigné des candidats. De ces 120 qui ont envoyé des candidats aux élections, on a eu 57 partis à avoir des élus, dont une vingtaine avec des députés et des sénateurs. C'est la situation des élections en Haïti. Et on a eu un total de 6844 élus à travers le pays. Vous comprenez ce que ça représente comme coût pour la nation dans le budget national. Avec la nouvelle constitution, le texte proposé, si ça passe au référendum,
on passera de 6844 élus à 931 élus. Même Jean a été fait ça dans le mois de mars 1987 là, directeur général ULCCA encourager population à une autre fois participer dans le travail qu'a fait pour bailler pays à une autre constitution. Il est fondamental que toutes les élites du pays, que toutes les lignes structurantes de la société s'approprient de l'avant-projet et de faire des recommandations utiles, non partisanes, non claniques et transcendantes au comité consultatif indépendant dont le travail remarquable et courageux est à saluer. Pour permettre institution contrôlée jouer rôle, ce thème ILCC était choisi pour déroulement journée atelier discussion ça. Bureau ministre délégué qui est responsable question élection avec relation entre diverses partis politiques Yoshita Palais jeudi 25 mars là avec organisation paysan communauté sous avant projet constitution. Pendant rencontre ça, participants ont réfléchi sur document et puis fait diverses recommandations. On suit plus de détails. Question constitution que n'a pas l'air, c'est un bagage qui a intérêt pour nous tous. Et c'est ça fait nous prendre temps, nous nous texte constitution avec remerciement professeur nous qui mettait texte en créole en français pour nous et nous gagnons qui pourra le permettre nous à prendre ça nous pourra le tendre d'ailleurs ça nous saute tendre d'ailleurs avec madame Medjan et professeur nous pour nous prendre nous avons deux travaux nous allons faire premier travail c'est atelier que nous allons faire après bagaille ça qui va permettre nous mêmes dire ça nous penser. Dans l'atelier, nous pouvons produire des recommandations et les recommandations, nous pouvons transmettre à la CCI. Mais en plus, nous pouvons porter des bagages à la CAIM avec l'organisation PANO qui pour permettre nous faire de l'autre réflexion qui pour mener. Et c'est ça l'exercice-là. Parce que ça n'a pas parlé là, n'a pas parlé de constitution. Constitution, l'île. Et je vous dis à son avant-projet. Mais son constitution, son texte qui peut influencer des générations. Nous-mêmes qui l'a aujourd'hui, qui a préparé, qui a travaillé sur lui, qui a réfléchi sur lui, eh bien, tout ça, nous pouvons essayer là, nous pouvons garder pour des mondes qui viennent, pour des générations qui viennent. Matériel ça y a une importance capitale, d'après le directeur général MSPPA, Dr. Louis Adrien, qui souligne plusieurs étapes dans le processus pour joindre l'équipement. Yo. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a offert. C'est une opportunité qu'on a eue et qu'on a exploitée. Je m'explique, c'est que nous avons nous-mêmes, de concert avec les différents protagonistes, choisi les équipements que nous voulons, identifié les institutions qui seront les bénéficiaires. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette salle, j'ai avec moi quelques représentants des institutions bénéficiaires. C'est pour vous dire que La portée de ce geste. Donc, ce sont des équipements qui vont nous aider à renforcer le plateau technique de nos urgences. Ils vont servir évidemment à donner une réponse aux éventuels malades nécessitant un accompagnement médical spécialisé dans la prise en charge de la COVID. Mais ils vont surtout servir pour renforcer le plateau technique des hôpitaux en général. Le matériel, ça a coûté environ 550 000 dollars américains, d'après l'ambassade française José Gomez, qui fait connaître ce laboratoire national cap gain pour distribuer matériel, ça y est. Le don d'aujourd'hui est significatif mais modeste. Il s'inscrit quand même dans une action qui est beaucoup plus large pour le secteur de la santé en Haïti. C'est un secteur dans lequel la France souhaite être très présente parce que on peut aider les gens dans leur vie quotidienne. Les besoins sont très grands en Haïti dans ce domaine. Le gouvernement n'a pas toujours les moyens de le faire, donc nous essayons d'aider autant que nous le pouvons. Et donc récemment, nous avons mis en place, par exemple, pour répondre à la crise Covid, nous avons mis en place un don de 1,2 million d'euros pour les centres Gescio, pour les aider dans leur réponse au Covid. Et nous avons mis 5 millions de dollars
à disposition, 5 000 euros à disposition de Zanmi La Santé et de la Fondation Mérieux. Donc vous voyez que ce sont des gestes très récents qui ont eu lieu au cours des tout derniers mois, puisque nous avons essayé d'accroître notre effort pour soulager le système de santé haïtien qui devait répondre à la pandémie. Et puis nous sommes présents dans d'autres domaines, pour nous, qui sont très, très importants, qui sont le domaine de la santé maternelle et infantile. Nous sommes arrivés au terme d'un projet qui s'appelait Timama, de santé maternelle et infantile, que nous avions doté de 9 millions d'euros. Donc nous avons rénové des centres de santé maternelle et infantile. Et comme ça a bien marché, nous avons lancé la deuxième phase de ce projet pour 8 millions d'euros dans les mois qui viennent, je crois. Ambassadeur José Gomez souligne les contributions pays la France a porté dans la construction de l'hôpital général. Il souhaite travailler sa yo à bout avant longtemps pour capable garantir soins santé dans le pays. Pendant l'y encourager l'État haïtien pour mettre plus l'argent dans le développement secteur santé.